Salut, c'est Lastangel, on se retrouve pour la deuxième partie des parcours sortis le 12 avril, donc l'update 2 de la bêta de Trial Fusion. Alors là, je vais vous proposer deux nouveaux parcours, plus une épreuve d'adresse, qui s'appelle le Maître des Tricks. Alors, on va commencer avec le premier parcours qui sera à nouveau réalisé à l'aide d'un quad. Et qui, ma foi, est une fois de plus très très sympathique, bien que, comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes là, concernant les nouveaux parcours, il soit de plus en plus difficile, puisque là on est au niveau moyen, si j'ai pas de bêtises de mémoire. Là, la première difficulté, ça va être d'atterrir sur une plateforme, en espérant qu'on va y arriver du premier coup. Parce que c'est pas évident. Dommage. Bon, on va refaire un essai. Puis ça sera le dernier. Si on n'y arrive pas, je passerai par en dessous. Donc voilà. C'est pas mal. Ça devrait le faire. Ouais, c'est bon. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le code est quand même assez lourd. Alors, non pas que la manette soit si efficace qu'on sent vraiment le poids, mais on sent bien que faut bouger le stick par rapport à la moto, ce qui paraît encore une fois logique, comme je le disais dans la vidéo précédente. Alors là, faire attention parce qu'il y a des petites bombes, là vous voyez juste en dessous des roues arrière, là je suis pas passé loin. Si on les touche, là forcément on explose. Et là, c'est bon. Ah ouais, dommage. Là, ça aurait pu être beaucoup mieux si j'avais pas touché avec les roues avant. On y est. Voilà, bah de toute façon, je vais améliorer le score d'avant, mais bon, c'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de le finir à peu près proprement pour que vous puissiez profiter de ce que vous proposera le jeu dès le 16, si je dis pas de bêtises. Voilà, alors là, on va repartir avec la Foxbat, puisque là on va faire une épreuve FMX que j'ai trouvé vraiment vraiment très sympathique. Alors on va essayer de la faire du premier coup, celle-là. On y va. Allez, on va tenter un. Hop, putain. Bon bah, en deux coups. Allez, on retente. Ah, c'est bon, c'est passé. Ouais, parce que je l'avais fait avant en entraînement. Et ça passait. Donc voilà. Et quand tu passes du quad à la pose de batte, forcément la manipulation est beaucoup plus aisée. Voilà. Alors là, merde, c'est bon. Voilà. Excusez-moi, je me concentre un peu. Voilà, c'est pas trop mal. Enfin, moi je suis pas trop mécontent parce que comme je suis un débutant, entre guillemets. Voilà, allez, c'est fini. Et on débloque une nouvelle épreuve qui s'appelle Exhibition. Mais on ne pourra pas l'utiliser puisqu'il n'y aura pas d'autres updates sur la bêta. Le jeu sortant le 16, si je dis pas de bêtises. Donc, rendez-vous le 16. Il faudra tout recommencer à zéro puisque ce qu'on a fait sur la bêta, évidemment, à mon avis, va être initialisé, ce qui paraît logique. Là donc on va s'attaquer à l'épreuve du maître des tricks, donc qui consiste évidemment, comme son nom l'indique, à réaliser des tricks. Ça paraît con, mais c'est bon de le préciser, ou pas. Donc là on va essayer cette fois-ci de faire au moins une épreuve du premier tour. Alors, et après, là moi les noms je les connais pas, enfin j'ai pas encore associé tous les noms, alors je regarde bien les dessins à chaque fois. Évidemment, quand tu connais bien et quand tu sais quel nom associé à quelle position du joy, tu gagnes le bouton, quoi. Parce que, comme c'est chronométré aussi. Alors. Jusqu'ici, ça va, comme dirait Steve McQueen dans les 7 mercenaires. Alors. Maintenant, on les fait par deux. Alors, l'autre, c'est quoi? Ouais, voilà. Il était temps. Pardon.
L'autre c'est... Merde, je sais plus. Putain. Ah, il était moins une. Ok. Merde, j'en ai fait une de trop. Le Superman il servait à rien. Je me suis planté dans le... Merde. Ouais, c'est bon, ça passe. Ouais. Merde. Allez. Voilà. Merde. Oh putain. Dommage. Bon bah ça sera, on va s'arrêter là. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah likez, partagez. Et si vous n'êtes pas abonné, bah pensez-y, abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Voilà, à bientôt.